C'est la journée mondiale du recyclage. Cette journée a pour but de rappeler au grand public que les objets ont plusieurs vies. Aujourd'hui, un objet qui est jeté peut être récupéré, trié et traité grâce à des processus chimiques, puis transformé en un autre objet et il pourra de nouveau être utilisé. Ainsi, le métal est fondu, puis transformé en plaques. Le plastique est broyé, puis transformé en granules. Et le carton est ramolli, puis transformé en rouleaux. Ainsi, 700 canettes peuvent être transformées en vélo. Au quotidien, les citoyens sont parfois déroutés par des consignes qui peuvent être compliquées. Si vous hésitez encore entre les deux couleurs, sachez que les poubelles jaunes sont pour les déchets recyclables, comme le carton, les canettes en aluminium et les journaux. Et les poubelles vertes pour les ordures ménagères comme les pots de yaourt, les sacs plastiques et tout le reste. Mais même si le recyclage progresse, notre production de déchets continue de s'élever à cause d'un mode de vie de plus en plus consumériste.